Et bon, on est parti faire le peigne hein, qui est cette aiguille qui est ici. Pris la benne à 6h30 ce matin. Donc la première benne et c'est parti. Mais on est au pied des dalles, début de la voie, les lépidoptères, et puis après on enchaînera vers la lépinée. Donc une belle grimpe, hein. Allez, c'est parti. Puis je suis avec Julien, quelqu'un qui a rencontré au bureau des guides, qui était tout seul et puis qui avait envie de grimper. Donc on fait collaboration dans cette cordée. Alors il y a Julien qui vient de faire la dalle. Nous rejoignons l'arête des papillons. On va partir par là-bas. Nous sommes donc trompés de voie. Mais c'est pas grave, on a quand même une belle vue. Et puis bah normalement on est bien dans le timing, même si le ciel est quand même chargé, on va pas trop traîner là l'après-midi. Voilà voilà, la cordée est bonne et ça avance bien. Ting ! Et bien il y a Julien qui est parti vers le sommet. Nous avons l'aiguille des pèlerins qui est ici. Et puis nous sommes à la brèche avec le plan de l'aiguille qui est juste là. Et voilà, on peut bien voir la brèche ici. Et on est parti à l'attaque de la voie l'épinay avec le sommet du Peigne qui est ici. La météo est très moyenne. On devrait être dans les nuages. Mais là on a un petit rayon de soleil donc c'est assez agréable. Bon et ben Julien, il faut se rendre à l'évidence. Il nous manque à peu près 25 mètres pour atteindre le sommet, on s'est trompé de voie. Ça arrive même au meilleur. Il faut se le dire. En même temps, on a été mal conseillé par un guide, on ne dira pas son nom. Mais en tout cas, voilà la vue. Et voilà le sommet qui est juste là du Peigne. Oh, vraiment, joli. Et puis ces nuages qui s'approchent mais qui sont légèrement plus hauts que nous, donc on ne devrait pas être affecté. Et ben voilà, c'était l'aventure à l'aiguille du Peigne, par la voie l'Épinay qui est devenue la voie Julia Thomas parce que il y avait du lichen partout, donc c'était pas du tout ça je pense. T'es sûr qu'ils sont... Bravo. Yes. Ben on vient de là-haut, tout simplement. Et puis ben, on a dû traverser la neige, hein. Ce qui n'était pas très pratique avec les baskets, mais bon, on avait choisi approche light, alors ben, on assume. Et puis ben, les nuages ne nous ont pas touchés, donc c'était plutôt cool pour nous. Bon, on a raté le sommet d'une vingtaine de mètres, mais c'est le jeu, on peut pas gagner tout le temps. On arrive en vie, c'est déjà une bonne chose de faite.